Salut YouTube, du coup c'est trop chiant ces blancs là que je laisse. Ça laisse des blancs quand je coupe les VOD là, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Alors Isaac, Magdalene, Cain, Judas, Blue Baby c'est fait. Et maintenant on joue Eve. Eve à qui on vient d'unlock un nouvel item de départ qui est le rasoir. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, c'est un item qui n'a pas de charge, qu'on peut activer à volonté. Et qui a pour effet de nous enlever un cœur rouge, et forcément rouge, attention c'est important. En contrepartie de nous booster nos dégâts pour la salle. Donc c'est très bien avec Eve, dans le sens où ça va nous permettre de nous mettre en mode War of Babylon, même quand on a déjà des cœurs bleus devant. Et ça c'est sympa. La justice pour commencer c'est sympa aussi, puisqu'on va pouvoir aller directement chercher l'item. Et c'est Ouija... Ah mon perso est dégueulasse. Et c'est le Ouija board qui permet d'avoir les larmes spectrales. Et on a encore un lit. C'est super. On peut se casser l'étage d'après si on veut, c'est énorme. On a le Saint-Œil pour booster nos dégâts. On a... alors là, ce qui serait vraiment opti... Vous allez me détester. Hein. Non mais vous inquiétez pas, ce sera pas long. Attendez, on va même s'arrêter à mi-chemin. On va même s'arrêter aux mendiants parce qu'en vrai... Enfin, aux marchands plutôt. Les marchands ont plus de chances qu'ils droppent quelque chose que la pauvre pièce là-bas. Regardez. Infamie. Ah non, infamie c'était le coffre. N'importe quoi. Ok. Et bah c'est d'accord. Là on fait ça. On fait ça. On se met le coup de rasoir. Si je reprends le cœur, je reste en mode War of Babylon. C'est parti. Moi ton perso est moins moche. Ouais c'est ça. Ils ont mis un masque qui était trop dégueulasse. Donc oui, l'état de Roi de Babylone, hein, qu'on a eu à la run d'avant, hein, un cœur rouge ou moins avec Eve et on booste nos dégâts, notre speed, c'est quelque chose qui se reset quand on change de salle. Donc si dans la même salle on récupère un cœur comme je viens de le faire, on a quand même l'effet de Roi de Babylone actif. C'est chiant. Ouais. Bon, Eve, normalement c'est le plaisir. Eve, normalement, c'est le plaisir, le petit boost de dégâts, le multiplicateur avantagé. Faut juste, voilà, pas faire trop le con avec les cœurs rouges. S'en débarrasser rapidement des visibles. Et la run se lance d'elle-même. Oula. On aurait bien avancé aujourd'hui. Je pensais faire 4 persos par jour. Finalement, on en aura fait 6. Si je dis pas de conneries. Donc ouais, ça avance bien. Hein. Après, il va y avoir des persos relous, hein, je dis pas, mais. En vrai, nous, Lilith, c'est le plaisir. Sanson, ça devrait le faire aussi. Forgotten, peut-être. Peut-être que Forgotten peut être relou en grid, je m'en rends pas compte. Apollyon, c'est le plaisir aussi. Je peux bouffer plein d'items. Non mais ça c'est ce que j'ai fait, Isaac, Magdalene, Judas, Blue Baby, Eve. Cain, oublie Cain je crois. J'ai un cœur en fait là. On discute mais j'ai qu'un cœur. Heureusement que je suis un gamer. Ok. Ouf. Bah je peux rien prendre. Ah bah si, je peux prendre Judas Shadow. Mais Judas Shadow ça me fait revenir en Judas. Et du coup Judas on l'a déjà fait. Du coup chef. Putain le couteau quoi. Ah dommage. Dommage pour le couteau. On peut prendre un petit Saint-Œil histoire de lancer la run. Boost de dégâts, boost de range. On est parti. Une petite pièce là, une petite pièce pour se mettre à 15. Ce serait bien. Voilà, merci bien. Hop là. Alors, l'item. On a toujours pas eu de Magic Mushroom. Hein. Mais bon, le fouet, c'est très bien aussi. Ah, il y a encore Chaos.
Il y a des clés en sol surtout. On est à Caves, donc Caves, Depths, Womb et Sheol. Il y a l'ampoule cassée, ça c'est incroyable aussi, c'est un trinket qui est très très fort, qui fait que quand notre item est déchargé, j'aurais pas dû prendre ce cœur. Quand notre item est déchargé, on a un gros boost, un all stats up. Bon, j'allais dire dans toutes les stats, mais oui, du coup. On a un boost dans toutes les stats. Donc on va sûrement l'acheter, parce que je crois que quand un item n'a pas de charge, il compte comme étant déchargé. Après, ceci dit, à chaque fois, je me trompe, Et il me semble que c'est ça, hein, parce qu'il y a le même trinket, c'est l'ampoule pas cassée, qui pour le coup file des boosts quand l'item est complètement chargé. Ou alors j'inverse encore, parce que je me trompe tout le temps, mais... Ah, j'aurais pas dû prendre ce cœur rouge là. Parce que autant jouer à un cœur, je veux bien. Bon bah voilà, je joue à un cœur. J'allais dire autant jouer à un demi cœur, c'est chiant. Bah j'aurais été mort, hein. J'aurais été mort si je m'étais mis à demi cœur. Enfin oui et non, c'est toujours le même débat, c'est-à-dire que oui, j'aurais été mort, mais en fait non, parce que j'aurais sûrement pas joué pareil. Avec un demi cœur en moins. Donc en fait on n'en sait rien. Alors j'ai vu qu'il y avait la réponse sur le chat. J'arrive imminemment. On aurait ni Cricket 7, ni Tech X, ni Magic Mushroom aujourd'hui. Hein. Je trouve pas ça normal. CDM Diac n'a pas de charge et peut être utilisé n'importe où comme Auto Jump, la Bible. La Bible, n'importe quoi, Dimbum, ouais, ok, c'est ça. Je me trompe pas, donc on va l'acheter. Hop, voilà, Giga Boost. Mais quand je dis Giga Boost, c'est pas pour déconner. Hein. C'est vraiment, ça rigole pas. On va. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais la feuille mâchée, hein, quand on arrête de bouger pendant 3 secondes, on devient invincible. On l'a déjà eu tout à l'heure, mais voilà, je préfère le rappeler. On va juste. Que je dise pas de conneries. Là, il faut que je prenne le cœur. Que je vienne là. Que je m'inflige, voilà, le dégât, comme ça on se met à 10. C'est énorme. Alors, est-ce que lui, il drop un cœur bleu, même en grid mode ou pas? Parce que normalement, le live junior bleu file des cœurs bleus. J'en doute. Non, il n'en donne pas. Et on se bat ensuite contre Fistula. Fistula des enfers. Bon, même si là, en vrai, ça va, hein. 1,69 de show speed, 10 de dégâts. Et 2 de speed, tout court, c'est confortable. Pas de Magic Mushroom alors que ça aurait été mérité. Ok, on va faire ça. Ça fait judicieux de trouver un cœur bleu avant d'aller faire des big deals. Ok. Mais l'arme part si vite. 1,69 de shot speed, ça commence à être énervé. Hein. Je rappelle, hein, j'en profite pour rappeler, si vous voulez des explications, si vous comprenez rien et que par hasard vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, j'ai débloqué un truc, je sais pas pourquoi. La première VOD d'Isaac, c'est un tuto. Donc n'hésitez pas. Et sur le stream, c'est point d'exclamation tuto. Pour y avoir accès directement. Pertro pour reroll un item et Ewaz pour aller à l'étage d'après. Regardez Pertro. Il reste ouvert ou pas? Non. Ah là il marque 100% mais pourtant il est pas resté ouvert donc je dis fake news. Normalement ça passe à 0 après mais bon là je sais pas, ça a dû bugger. Et là en exclu j'achète Chaos bien sûr. Juste une clé, pas terrible. Chaos, donc item aléatoire, plus ou moins, on va pas refaire l'explication à chaque fois, mais voilà, en gros c'est plus ou moins aléatoire. Parce que moi j'adore la RNG. C'est parti. Il me reste 8 minutes pour finir la run et ensuite je suis en hors sup. C'est parti. Alors ça c'est nul. Est-ce qu'on le reroll? Ça c'est très bien. Deux clés et les coffres sont plus fournis.
très bien, ça on va le reroll du coup. On a eu la dent du chien à la place, qui va nous indiquer où sont les secret rooms avec un cri de type chien. Super. Un cri de type aboiement. On y va. On est en mode War of Babylon. La vie est belle. Putain, j'ai cru que c'était des. Je crois que c'était des brimstone. J'ai réussi à me prendre ça. Apparemment. Alors les faster bombs, là je sais pas comment ça se unlock. J'ai pas trop compris comment je le unlock à la run d'avant. Là j'étais en train de tuer Little Horn et d'un coup je unlock un truc. Ouais, je check ça. Ah, par contre, très chiant. Un item rigolo, un faster bomb, ça donne 7 bombes quand on le ramasse. Et ensuite ça nous permet de spammer les bombes. On a plus de cooldown entre deux poses de bombes. Donc c'est très drôle quand on en a plein, on peut tout déposer. C'est pas un bon objet, hein, c'est juste rigolo. Bah, c'est bien pour les 7 bombes. Alors c'est vrai que j'ai le Ouija board, hein, donc je peux tirer à travers les cailloux. Ça, il faut bien que j'y pense. On a starté Ouija board. Ok. Est-ce que je fais le boss tout de suite tant que j'y suis? En vrai, non. Je pense que ce que j'ai envie de faire là. Alors, on pourrait gagner la run en achetant le Cube of Meat et en utilisant le fait que quand je bouge plus, je suis invincible. Oula. Pardon. Non, on va pas le faire. On pourrait acheter The Mark aussi pour un cœur bleu et du dommage up. Je sais pas trop ce qu'on en pense. Je sais pas trop ce qu'on en pense d'acheter The Mark. Je pense que ça se ferait. On ira le faire avant le Devil Deal. Du coup, j'aurais dû même le faire avant ça. Ils sont où les yeux? Pas les yeux, les... Oula, oula. Ah, c'est Defeat Little Horn 20 fois. Oh, c'est marrant comme achievement, je savais même pas que c'était ça. Le bail. Oh putain, c'est Bloat. Je disais le chat. D'accord, alors là j'ai rien pris, je peux pas. Oui, là par contre j'ai pris Jeanne Mika. Oh non, pas comme ça. Il va me brimstoner là. Ah, moi je suis invincible. Ah, j'avais dit qu'on le ferait pas, mais là. Oh, le Dead Bird en plus il fait tellement pas de dégâts, ça va durer 14 années. Ah, moi tant que je bouge pas, je suis invincible. Ah, j'avoue que c'est pas très réglo. Mais j'ai envie de dire, la fin justifie les moyens. Oh, c'est si long la barre de vie par contre à descendre là. Allez. Allez là. Allez là, c'est gênant, super. Et là je bouge alors qu'il y a encore le sang. Non, c'est bon. Super. Ouais, du coup on va acheter ça. Hein. On va acheter The Mark pour avoir le cœur bleu de protection. On va acheter le cœur rouge. C'était long, mais à mon avis nécessaire. Ouais, je pense que là c'était loose. Paf. Et là on se remet un demi-cœur, mais ce coup-ci avec un cœur bleu. Y'a du monde en bas? Ah oui, y'a super. Super Jackie. Et là, l'avantage, c'est qu'avec le cœur bleu, on pourra prendre l'éventuel David Deal qui s'offre à nous. Mais je pense que là, on va avoir une Godroom avec, avec Sacredeur, quoi. Dans les astres. C'est écrit dans les astres. Non. Ah, mon Akeos, je suis con. On risquait pas d'avoir quoi que ce soit. On va prendre le HP Up. Parce que de toute façon, la tête de Guppy, on s'en servira probablement jamais, puisqu'on a le rasoir qu'on a envie de garder. Puis on va y aller, on va arrêter de dépenser du pognon. Ah merde, il y avait la secret room. Vous avez entendu le yinche.
Je t'avoue que la God Roop pour un HP up c'était pas. Ouais. Pas terrible. Tears up, shot speed up, on a entendu le chien, on a entendu le chien pour la Secret Room. Le collier de Guppy, une chance sur deux de revivre quand on meurt. La patte de Guppy, on a encore le cube de viande. J'ai 1,85 de shot speed, ça n'a aucun sens. Oui. Ah, mais ça, la run est gagnée si j'achète ça. Une chance sur deux de faire spawn un demi-cœur quand il y a du pognon par terre. En grid mode, c'est gagné. C'est reparti. Ah bah tiens, je pense qu'il est mieux que le stat boost. Ah non, c'est pas mieux que le stat boost, mais c'est juste que si j'ai envie de jouer à la sécurité, je pense que je peux prendre ça et gagner quoi. Ok. Oh là là, oh là là, petit bâtard, petit bâtard. Oui. Les esquives sont faites. Hop là. Ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Oh je les. Oh là là. Oh je les allume. Oh je les allume. Oh je vais trop vite. Je suis trop vite pour eux. Je suis en 60 FPS. Et avec leurs yeux de 28 FPS, ils n'arrivent pas à me voir. Merde. Oh là là, attends, non mais par contre attendez, non mais je rigolais. Je rigolais. Ça va. C'est parti, je sais pas trop si j'assume de faire ce boss avec un Mika. Oh putain! Oh là là, calmos! Ah bâtard, il m'a sauté dessus. J'ai un demi-cœur. Tout s'est bien passé. C'est bon, c'était un test. C'était un test pour voir si vous me suiviez. Non mais le type m'a spawn sur la gueule. D'habitude, on a de l'invue. Pourquoi là, j'ai pas eu de l'invue? Alors, nous disions. Nous disions donc. Eh non mais là est-ce que le plan ce serait pas la patte de Guppy? Into, on se met à 9 cœurs bleus. Est-ce que c'est pas ça le play? Moi je pense que c'est ça le play. Voilà. Comme ça on est toujours en War of Babylon. On peut même garder la patte de Guppy. De toute façon, il est vide, il n'y a rien dedans vu que Chaos, donc ouais, c'est clairement le play. Ouais, on est d'accord. Bon, là, c'est bon, là, on y va. Bon, alors, c'était quoi l'histoire? Putain, en plus, c'était ce boss nul. En plus, c'était Scolex, quoi. Scolex avec un mini-cœur, il est faisable. Regardez, là, je vais pas me faire toucher. Là, je peux me faire toucher, j'aurais pu le faire si je m'étais pas fait arnaquer. Pour une fois, c'est le jeu qui m'a arnaqué. Heureusement, j'ai eu le gamble, hein. Une chance sur deux de revivre. Ça c'est ma passion. Oui. Les gambles. J'aurais testé la talog du Guppy Scholar, c'est tout. Ouais, c'est ça en fait. J'ai voulu juste tenter. Merde, putain. Je voulais montrer au chat ce que ça faisait parce qu'on l'avait jamais eu. Je voulais montrer à tout le monde, à YouTube. On l'a vu, mais on l'avait jamais utilisé. Par contre, c'est très long là. C'est très long et ça n'amuse pas grand monde ce que tu fais, Scolex. Non, mais vraiment? C'est vrai que peut-être tu serais Guppy by the way. C'est vrai. Mais je ne dis pas qu'on va l'avoir dans le prochain shop. Vu qu'on a Chaos, de toute façon, on va finir. De toute façon, quand on a Chaos, on devient Guppy tout le temps. Hein. C'est rare qu'on ne devienne pas de Guppy dans une run Chaos. Oh, c'est super long là. C'est super long et c'est super chiant. Là pourtant la shot speed c'est pas ce qui manque hein. Je peux en enfiler des balles hein.
Pas des larmes. Allez, oh là là. Oui. Non mais j'ai pas le droit par contre, j'ai pris combien sur lui là? Oh là là, oh non mais vous, non vous, non. Je suis... Oh oui, non mais oui, oui, bah oui. Toujours plus, hein. Alors c'est pas RNG, hein. Merde. Hein. En fait, il va tirer pour détruire tous ses potes. Du coup, il va tirer un brimstone qui relie tous les jumpers là. Mais voilà quoi, c'est pas. Regardez sur ce boss, je vais pas me faire toucher. Si un modo sur le chat peut bannir Romicro. 3 cœurs bleus. Non mais là, je suis en train. Non mais là, je suis en train de déconner. C'est une erreur ça ce que je fais, tout ça pour du dégât, tout ça pour 0,69 de dégâts. C'est parti, on s'en va. On sait quand qu'on a Sacred Heart là. Modo dans ce chat, tu parles de Streamlabs. Non c'est vrai qu'il n'y a pas de modo. Pas de modo sur cette chaîne parce que vous êtes la meilleure commu. Il n'y a besoin de personne pour vous modérer. Super. L'appel. L'appel c'est marrant mais dans les faits pas tant que ça en fait. En fait c'est pas si marrant que ça. Encore le cube de viande, putain mais ils insistent. Alors que la petite bip satanique. Alors que le Dead Cat en solde. Super, bon là on arrête d'acheter des trucs. Hein. Là c'est bon. Oh là là, non mais... Ah par contre, le... Ah oui, par contre, ça marche moins bien avec la... avec l'ampoule. Oh, putain, et là, j'ai pas pris de dégâts, what the fuck. Après, est-ce qu'il... Là, il va falloir compter. Oh là, j'ai eu un spasme. il va falloir compter, il va falloir... On active la Satanic Bible pour le boss final. De manière à avoir le boost de l'ampoule. En tout cas, c'est l'objectif. Bon, après, il reste encore un étage, donc pour l'instant, on n'a pas besoin de compter, mais. Merde, putain. Ok. Il est où? Ok. Oh, à la fin du stream, on ouvrira le coffre là, que Time to Shine, il a mis les trucs dedans là. Je sais pas trop ce que ça va faire, on verra. On verra qui va remporter le skin Rainbow Six. Ça se trouve, ça va être un random qui avait follow à l'époque des billes, dont on n'a jamais entendu parler depuis. Ça va être gênant. Ou alors c'est entre les viewers. Si c'est entre les viewers, bah c'est Romicron. Voilà, adversary non. Adversary c'est non. Mais je crois que c'est entre les membres de la communauté, donc à mon avis c'est parmi les followers. Bah là je suis allé en plein dedans. Là c'est ma faute. C'est quoi en dessous? J'ai pas regardé. C'est Streamlabs qui va win. Oh putain ça c'est incroyable. Streamlabs qui win le truc. Ah oh putain c'est vrai qu'il fait ça lui mais d'habitude je suis jamais en dessous. Ok. Super. J'en demandais pas tant. Bon là on arrête d'acheter hein. On en parle de ma famille qui fait beaucoup trop le taf par contre. Ah ça va, c'est du talent ça. Ça c'est du talent. Et le talent, ça s'explique pas, ça se vit. Paf. The shop. The shop, the shop. Oh la tourelle. Pourquoi t'as pas que Pispo, le dernier cœur rouge? J'aurais pu.
C'est vrai que j'aurais tout à fait pu le faire. J'ai pas pensé. Oh, la toile, c'est trop marrant. Enfin, c'est pas une toile en fait, c'est un arrosage automatique, mais tout le monde appelle ça la toile. Putain, je me suis fait les trois fantômes en une vague. Solide gameplay. On va faire combien de pièces finalement? Est-ce qu'on va encore avoir Super Grid au prochain étage, à l'étage du boss, pour nous filer 25 balles? Ce serait... Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh non! J'ai fait l'erreur. Je crois que j'ai fait l'erreur. Fallait pas que j'active là. Ouais, après si on prend la tourelle. Vite, ça pourrait être bon. Non, ça va pas du tout être bon, il va me manquer une charge. Ah non, parce que... Ah oui, non, 1, 2, 3. Enfin, là, il m'en reste 2. Non, si, c'est bon, parce qu'il y a une vague avant le... Enfin, il y a une salle avant le boss. Elle peut être vide, mais ce sera unlucky. C'est pas mon genre d'être unlucky dans Isaac. C'est pas mon genre d'être unlucky, qu'il a dit, putain. Écoutez-le. Oh là! Ah mais c'est... Pourquoi c'était lui le boss? C'était même pas un boss, ça c'était un ennemi de base, mais juste il y en avait deux et c'était grand, mais c'est tout. Oh là là. Très bien. Double Forsaken. Oh là, mais là, les brimstones, ça va être un enfer. Ok, heureusement, j'ai tué l'autre avant. Je comptais le grit avec le quarter pour la dernière charge. Ah, ça, ce serait incroyable. Bon, en termes de cœur, en plus, on s'est mis bien. Bah, super, à plus. Il y avait personne ici, en plus. Ah, il faut qu'il y ait... Il faut qu'il n'y ait pas forcément Grid, mais il faut qu'il y ait quelqu'un, quoi. Il peut y avoir Monstro, il peut y avoir Grid tout court. Ok, c'est bon, il y a quelqu'un. Il y a Super Grid qui va nous donner 25 balles. Ah bah alors, on se permet de... On se permet de pas nous donner 25 balles. C'est parti. On est boosted. Putain, le cul. Le boule. Le boule de Grid, je crois qu'on n'aurait jamais assez parlé. Super. Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il arrête jamais. Il a qu'une seule attaque. Il a décidé de faire qu'une seule attaque. Oui d'accord. Voilà, super, les pièces RNG. Mais qui... Infamie, infamie. Oh là là, non attendez. Je suis occupé. Je suis vraiment occupé là. Vraiment. Okay. Oh merde. Ok. Merde, mais putain, je suis vraiment le roi des cons. Ça veut dire que j'ai pas d'argent, alors si en plus... Head of the Keeper. Qui peut faire spawn des pièces quand on tire. C'est du génie. Alors le problème c'est que si je les fais spawn sur lui, ça va le heal. C'est peut-être pas tant du génie que ça en fait. Enfin, ça dépend. Si je vais les chercher, c'est bien. Infamie. J'avoue que infamie dans ce game... Ça avait bien utile. Il y a une pièce là, je l'ai vu. Pourquoi je vais là, je sais pas. Force nulle. Putain, il va falloir que je pose des 6 VOD là.
Non, 7, quoi, on a fait 6 ou 7? Non, 6, on a fait 6. Infamie. 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 Incroyable, hein, vraiment. Sous-côté, ce item. Merde. Alors là, c'est my bad. Infamie, il pouvait pas faire grand-chose. Infamie. Mais ça marche à tous les coups, what the fuck. Non mais c'est pas joué, c'est pas influé par la luck, je crois, Infamie. Hein. Enfin, il me semble pas. Et bah GG. 100% de win rate. On a débloqué la plume noire, qui n'est pas un item très intéressant. 76 pièces sur moi, 470 dans la machine, c'est parti. Allez. Ah, et on a débloqué le mode gridier. C'est le mode hard du mode grid. Et on aura réussi à tout mettre. 546, c'est énorme. Est-ce qu'on peut farm d'une manière quelconque Si je tire des penny tears là, est-ce qu'il va me donner du pognon à un moment ou jamais de la vie? J'ai pas l'impression. Le coffre, y'en a marre. C'est super. Et donc voilà, 1, 2, 3, win, 9, win streak 9, j'avais jamais vu ça de ma vie. 2, 3, 4, 5, 6 persos. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 persos. Bah voilà, finalement ce sera pas en deux streams. Il n'y a aucun perso qui devrait poser de difficultés, à part peut-être Lazarus. Mais voilà. YouTube, à la prochaine. Nous, on essaie de faire prendre Tiny Planet pour te nerf. Ouais, mais même avec ça, ça n'a pas été suffisant. A plus YouTube.